Tiens-toi à la barre, ma puce. C'est trop beau. Papa, viens voir. J'arrive. Papa, regarde. Oui, j'ai vu. C'est bien, ma chérie. Tu regardes. Regarde. Chut. Mais papa. Papa. Excusez-moi. Je crois que votre enfant éprouve le besoin de s'exprimer. Vous savez, ma fille a toujours quelque chose à dire. Ça coûte quand même pas grand-chose de l'écouter. Ça nous coûte notre tranquillité. Elle a pas tort. Ça me laisse sans voix. Selon la méthode pédagogique infanto-juvénile, je pense que cette situation-là illustre la parfaite décadence de l'instruction et l'échec de sa transmission générationnelle. Papa? Oh, mais regardez-moi ce bout de chou! C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, quand même. Ah, vous voulez vraiment écouter ce que ma fille veut dire? Ok. Ça va mal finir! Oui! Alors, ma chérie, dis-nous ce que tu veux. Bonnet! Et maintenant, madame, qu'est-ce que je fais? C'est qu'on était loin de s'imaginer qu'elle était si mal élevée. Parce que vous savez... Ça suffit ! C'est pas mon gosse ! Faites quelque chose, qu'on n'en parle plus ! Allons-y ! Un bon petit coup de martinet ! Eh ben, bonjour papa. À la pédagogie ! Alors, mon poney ? Ta mère sera pas d'accord. Comment tu sais ? Elle aime pas les poneys. Et comment tu sais ? Parce que... Et parce que quoi ? Tu sais, ma chérie, les poneys, ça mange les enfants. Mais oui, pas de bol. C'est pas grave. Trois fois, j'ai accouché. Trois fois. Moi, je sais de quoi je parle. Alors là, c'est vraiment, vraiment minable. Excusez-moi, votre conversation m'empêche d'entendre la petite. C'est ça, faites le malin. Tous les mêmes. Pierre, foot, canapé. Tu passes la spie, ça se bouge pas. Mais c'est qu'elle est en plein transfert, cette pauvre petite dame. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Évidemment, si on est réfractaire au dialogue... Quoi je sers ? On se le demande. Elle pond ses trois mouflets et je prends pour le centre du monde, celle-là ! Celle-là ? Celle-là ? Celle-là ! Celle-là ! Celle-là ! Arrête, ma puce ! Celle-là ! Je vous parle, mais je ne suis vraiment pas sûr que vous compreniez. Vous n'avez pas lu Dolto ? Il est crucial de hiérarchiser... Dolto, je vais te le faire bouffer, ton Dolto ! Dolto. Mon livre. Faites les guerres. Dolto. Mon livre. Mais arrêtez. Dolto. Faites les Ça a mal fini. Tu laverais vraiment autant pour moi. Vous avez un petit peu de... sur le... Voilà. Vous voulez un peu moins ? Mais lisez, Dolto.
chérie.